Le monde entier s'en souvient. Le 7 octobre 2023, l'État d'Israël a été la cible d'une attaque terroriste orchestrée par le Hamas, mouvement islamiste palestinien. Une attaque qui a fait plus d'un millier de morts, en majorité des civils, hommes, femmes et enfants de tout âge, et 251 enlèvements, attaque considérée dans l'histoire du peuple hébreu comme la plus meurtrière après la Shoah. L'an 1 de ces événements tragiques sera commémoré le 7 octobre prochain par le gouvernement israélien de Benjamin Netanyahou. Avant cette date, Lumière du Monde Télévision vous offre ce plateau spécial pour faire à mi-parcours le bilan de cette guerre. Mesdames et messieurs, bienvenue à Israël aujourd'hui pour parler naturellement de la situation actuelle en Israël. Et pour décrypter cette actualité, nous recevons en plateau son Excellence Roni Yedidiklal, qui est l'ambassadrice de l'État d'Israël en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Togo et au Bénin. Merci d'être sur ce plateau et merci d'avoir accepté notre invitation, Excellence. Merci à vous. Shalom to everyone. C'est un vrai plaisir d'être ici pour moi. Merci, merci infiniment de votre disponibilité pour cette information, j'allais dire pour cette émission. Après son Excellence, nous avons en duplex de Jérusalem en Israël, son Excellence Tal Zvi, ambassadeur responsable de l'Afrique occidentale au ministère israélien des Affaires étrangères. Shalom, Excellence. Shalom, alors permettez-moi une petite correction. Alors, j'inverse les deux noms. Mon prénom est Zvi et mon nom de famille est Tal. Ambassadeur et 35 ans de carrière au service diplomatique israélien. Et je vous salue chaleureusement de Jérusalem. Merci de m'avoir invité. Merci, Excellence. Merci, Excellence, pour donc ces précisions que vous avez apportées. Je rappelle que vous êtes le responsable de l'Afrique de l'Ouest au ministère israélien des Affaires étrangères. Merci infiniment. Nous le disions à l'entame de cette émission, le 7 octobre 2023, Israël s'est réveillé dans une attaque sanglante sans précédent du Hamas. Retour sur les images de ces événements tragiques. Escortés par l'armée israélienne, des journalistes pénètrent pour la première fois dans le kibboutz, le village communautaire de Kfar Adza, pour y découvrir l'horreur, les destructions, les maisons brûlées et les cadavres. Des mères, des pères, des bébés, de jeunes familles tuées dans leurs lits, dans leurs abris, dans leur salle à manger, dans leur jardin. Voilà, Excellence, le 7 octobre 2023, l'État d'Israël a été attaqué par l'organisation politico-militaire islamiste palestinien du Hamas. Aujourd'hui, quel est l'état des lieux en Israël? Presque un an plus tard, nous sommes encore dans cette guerre qui nous a été imposée par le Hamas pendant 11 mois. C'est une guerre très longue, la plus longue de l'histoire d'Israël depuis la guerre d'indépendance. C'est une guerre qui nous a été imposée par le Hamas, mais pas seulement par le Hamas. Elle nous a été aussi imposée par d'autres organisations mandataires, d'autres organisations iraniennes. Le Hezbollah dans le nord et les Houthis au Yémen qui attaquent sans relâche depuis le 8 octobre afin de nous distraire du combat principal qui est celui qui a lieu à Gaza contre le Hamas. Pendant ce temps, plus de 700 soldats israéliens ont été tués par le Hamas et par le Hezbollah. Cela a été très tragique. C'est l'une de nos plus grandes pertes dans notre histoire. Comme vous l'avez dit, le 7 octobre a été le pire jour depuis la Shoah, avec plus de 1200 personnes tuées et 250 otages pris, des otages qui n'étaient pas seulement israéliens, mais aussi de d'autres nationalités, pas que des juifs, pas aussi des chrétiens, des musulmans, des bouddhistes, des jeunes hommes, des vieux, des enfants. Nous avons toujours deux enfants pris en otage. Au cours de cette période, nous avons pu éliminer
beaucoup de forces du Hamas. Nous avons pu causer de graves dommages au Hamas, y compris à certains de ses dirigeants, comme Ismaël Haniyeh et d'autres qui ont été éliminés tout en leur fournissant une aide humanitaire dans le même temps. Je pense que c'est le seul endroit au monde où vous pouvez voir que, d'une part, Israël combat contre le Hamas et d'autre part, nous ne combattons pas les Palestiniens parce que nous apportons de l'aide. Merci beaucoup, Excellence. Alors, Dr Myriam interviendra également en duplex à cette émission depuis Tel Aviv. Dr Myriam, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? C'est quelque chose qui nous a fait très mal au cœur dans le pays. Et tout le monde est sorti dans les rues. Et on est très triste ici. Nous aurons l'occasion d'en parler, docteur Myriam Rossmann. Alors, pour revenir, Excellence, vous l'avez signifié dans votre intervention, il y a eu plus d'un millier de morts, une situation très déplorable. Aujourd'hui, cette situation a naturellement causé, j'allais dire, des peines, des dégâts intérieurs au niveau de la population israélienne. Comment ce traumatisme est-il évacué par les populations? Quelles sont les dispositions qui sont prises aujourd'hui par le gouvernement israélien pour justement amener ces populations à évacuer ce traumatisme? Donc, comme vous l'avez dit, cette année a été très traumatisante pour les Israéliens. Malheureusement, le traumatisme est toujours là et ce n'est pas comme si, vous savez, quelqu'un a un traumatisme et qu'il reçoit ensuite une sorte de soin psychologique. Dans notre cas, le traumatisme est permanent et nous devons prendre soin de nous-mêmes pendant que le traumatisme est encore là. Et donc, nous avons trouvé toutes sortes d'efforts civils pour que les gens s'entraident. Des groupes qui se mettent en place au sein de la population civile afin de s'entraider, ainsi que les efforts gouvernementaux pour avoir des services de protection et d'aide sociale et dans les personnes, dans la population. Il a été très, très difficile d'aider les gens. En ce moment, le peuple d'Israël se sent encore traumatisé. Et je pense que peut-être avec Myriam, nous en parlerons encore un peu plus. Il s'agit d'un problème permanent pour le peuple d'Israël et les soins doivent donc être continus. Et nous prévoyons que c'est quelque chose dont nous parlerons pendant longtemps à l'avenir. D'accord. Alors, Excellence, sur les 251 personnes qui ont été enlevées ce tragique 7 octobre 2023, 101 sont toujours emprisonnées dans les geôles de l'organisation terroriste du Hamas à Gaza. L'armée israélienne a annoncé dimanche dernier avoir retrouvé les corps de 6 otages, des corps sans vie. Nous allons voir ces images et puis nous reviendrons pour en parler tout à l'heure. Les visages des 6 otages israéliens. Leurs corps ont été ramenés en Israël par l'armée. 6 otages, 6 familles pour lesquelles l'espoir vient de s'éteindre. Leurs corps ont été retrouvés lors de combats à Rafah, dans un tunnel souterrain. À environ 1 km du tunnel où nous avons sauvé Farhan al-Kadi il y a quelques jours. Parmi les 6 otages, Hirsch, 23 ans. Le visage de cet israélo-américain était en tête du combat des familles. Ses parents ont été de toutes les manifs depuis 11 mois, jusqu'à crier des messages le long de la frontière de Gaza. Hirsch, it's data. Hirsch faisait partie des festivaliers qui n'ont pas vu venir l'attaque terroriste du Hamas le 7 octobre. On le voit ici au moment de son enlèvement. Il y a 2 semaines, ses parents ont été invités à la Convention nationale des démocrates américains à Chicago. At this moment, among the hostages are 8 American citizens. One of those Americans is our only son. La mort de 6 otages relance la colère des familles. Certaines d'entre elles reprochent au Premier ministre israélien de ne pas suffisamment chercher un accord de cessez-le-feu et de libération. Il s'en défend.
Depuis décembre, le Hamas refuse de mener de véritables négociations. Il y a 3 mois, Israël a accepté un accord de libération d'otages avec le soutien total des États-Unis. Le Hamas a refusé. En réalité, Israël et le Hamas se renvoient tous les deux la responsabilité de l'échec des négociations. Il reste une centaine d'otages israéliens, vivants ou non, à Gaza. Voilà, 6 otages retrouvés morts dans la péninsule de Gaza. Des événements qui continuent de choquer l'opinion internationale et israélienne. Alors, comment est-ce que aujourd'hui on vit la découverte de ces otages morts, découverts naturellement par... C'est vraiment tragique parce que ce sont des personnes que nous étions sûrs de voir revenir dès la fin des négociations. Nous savons qu'ils étaient encore en vie 2 jours avant que le corps ne soit retrouvé et les négociations nous avaient amenés à croire que 4 d'entre eux sur 6 seraient libérés avec le premier groupe d'otages qui serait libéré par le Hamas. Et pendant que les négociations étaient en cours, ces terroristes cruels et froids ont exécuté ces 6 otages innocents en leur tirant dessus à bout portant quelques jours avant qu'ils ne soient retrouvés. L'autopsie a montré, après avoir survécu 11 mois en captivité, ils ont été abattus à bout portant seulement 2 ou 3 jours avant que les forces n'arrivent à eux, avant qu'elles ne viennent à leur recours. Il s'agit d'une cruauté inconcevable qui viole toutes les normes internationales, le droit et les traités. Elle est contraire à toutes les lois du droit humanitaire, au droit international humanitaire. Cela montre que le Hamas est déterminé à continuer sur ses voies terroristes, sabotant toute tentative internationale visant à ramener les otages chez eux. Les Israéliens disent maintenant que tout doit être fait pour libérer 101 otages qui sont toujours entre les mains du Hamas. Nous appelons la communauté internationale à exiger que le Hamas libère immédiatement les 101 otages qui sont toujours détenus. Et Israël s'engage à rendre ces otages. Okay. Merci, Excellence. Nous allons aller maintenant à Jérusalem pour prendre l'avis de son Excellence Zvi Tal. Je rappelle qu'il est le responsable des questions de l'Afrique de l'Ouest au ministère israélien des Affaires étrangères. Excellence, dimanche dernier, 6 corps sans vie ont été découverts par l'armée israélienne dans la péninsule de Gaza. Quel sentiment aujourd'hui pour le peuple israélien? Alors, comme ma collègue, l'ambassadrice Yadidia Klein vient de souligner, les manifestations se succèdent à un rythme quasi quotidien pour exiger la mise en liberté de ces otages. Nous parlons de 101 otages, d'après les indications, 33 parmi eux ne sont plus en vie. C'est en fait une course contre la montre, dont l'enjeu est la survie ou la vie. Vous avez entendu le descriptif des otages saisis le 7 octobre de l'année dernière, dont certains des survivants de la Shoah d'ailleurs, puisque comme vous l'avez précisé dans votre introduction, c'est le plus terrible, horrible massacre que nous avons vécu depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, depuis la Shoah. Si vous voulez, c'est l'atmosphère qui règne en ce moment dans les rues des grandes villes d'Israël et au sein de l'opinion publique. Comment faire en sorte à ce que les
les otages qui sont devenus, si vous voulez, des membres de la grande famille israélienne, non seulement juive, mais aussi arabe, musulmane, chrétienne, comme là encore ma collègue l'a bien expliqué, puisque le Hamas n'a pas distingué ni entre religion, ethnie, citoyenneté, etc., lorsque il a cyniquement interné dans des conditions inhumaines et indescriptible des bébés, des enfants, des femmes et des vieillards dans les tunnels souterrains qu'il a creusés. Voilà, c'est en fait cet état d'esprit dans lequel nous nous trouvons. Nous essayons de nous agripper à tout espoir. Il est vrai que seul un accord global pourra mener à bien cette tâche de libérer les otages, tous les otages. Et d'ailleurs, ça pourrait aussi renverser la situation, puisque nous n'avons pas encore eu l'occasion d'en parler, mais ce qu'il faut, vous savez, après les traumatismes, et Dieu sait que notre histoire est pleine de tragédies, de traumatismes, et fort heureusement, nous avons toujours réussi à nous en sortir, à surmonter tous ces obstacles. Afin que nous puissions le faire cette fois-ci, il faut qu'on ait à l'horizon une espèce de sortie de secours qui nous mène vers une solution politique à ce conflit. Il faut empêcher à tout prix que le Hamas, une fois les hostilités terminées, puisse encore mener son jeu dans la bande de Gaza. Il faut absolument qu'il y ait un autre pouvoir avec lequel nous puissions cohabiter, parce que à la veille du 7 octobre, nous pensions qu'il y avait moyen d'arriver à un entendement avec le Hamas, et nous sommes trompés d'une manière. Enfin, nous avons payé un prix exorbitant. Donc, voilà ce qu'il faudrait faire, arriver à un entendement. Et aller de l'avant avec ce qui a été possible il y a à peine un ou deux ans, c'est-à-dire la normalisation de nos relations avec le monde arabe. N'oublions pas qu'à la veille du 7 octobre, il était question d'une percée dans nos relations avec l'Arabie Saoudite. Il a même été question de promouvoir des relations entre Israël et l'Indonésie, le plus grand pays musulman au monde. Donc voilà la situation dans laquelle nous nous trouvions à la veille du 7 octobre. L'État d'Israël. D'accord. Voilà, restez avec nous, Excellence. Nous aurons l'occasion de revenir à vous. Le temps pour nous de nous rendre à Tel Aviv pour échanger avec Dr Myriam Rossman. Je rappelle que Myriam Rossman est experte en relations internationales, historienne, auteure, commentatrice d'actualité, analyste politique et conférencière. Alors, Dr Rossman, vous êtes à Tel Aviv. Arrange encore son micro. Arrangez votre micro, voilà. Vous êtes à Tel Aviv. Dites-nous, quelle est l'atmosphère en ce moment à Tel Aviv? Après, naturellement, la découverte de ces six corps sans vie. Ok. Ce que je veux dire, en fait, que l'assassinat de ces six otages a sorti tout le monde dans les rues, a amené une tristesse énorme. Et il faut comprendre ce qu'a dit Ronnie tout à l'heure. Ça fait 11 mois qu'on vit dans cette situation, tout le pays, et en particulier les familles des otages qui montent parfois entre espoir et désespoir. Et ils ne savent pas est-ce qu'ils sont vivants, dans quel état. On a vu que ces six otages ont tenu 11 mois. Ils étaient en vie encore il y a 3-4 jours. Et cela montre la monstrité de terroristes de Hamas
qui, en fait, ont aucun dignité envers la vie humaine, ni la nôtre, ni la leur. Alors, il faut aussi essayer d'arriver à une négociation afin de sortir ceux qui sont encore en vie, hier, pas aujourd'hui. Et Israël ne pourra pas faire ça toute seule. Il faut comprendre qu'il y a encore des personnes en vie à Gaza qu'on peut sauver. Et il ne faut pas que ça soit trop tard. Et je sais que la grande majorité des Israéliens, la plus grande majorité des Israéliens veulent les otages à la maison. L'État d'Israël ne pourra pas guérir de 7 octobre s'il n'y aura pas les otages à la maison. Ça, c'est première chose. Myriam, oui, allez-y, aussi rapidement, allez-y. Je pense qu'il faut comprendre qu'il faut tout faire pour avoir les otages à la maison. Il faut que tout le monde, tous les pays du monde nous aident à avoir ces otages à la maison avant qu'il soit trop tard. On a vu ce qui s'est passé il y a quelques jours. Et on a attendu que les directives de terroristes de Hamas aient que s'il attend ou il voit l'armée israélienne qui s'approche d'un endroit où il y a des otages, les exécuter pour qu'on ne trouve pas en vie. C'est des barbares, c'est des terroristes. Merci, docteur Myriam. Restez avec nous. Nous sommes ensemble tout au long de cette émission. Excellence, est-ce que entendre vos compatriotes, Excellence Svital et docteur Rossmann, est-ce qu'on peut dire que la découverte de ces corps atténue tout espoir de voir des otages libérés vivants? J'espère que non. Nous sommes à un stade où les négociations sont toujours en cours puisque les équipes de négociation se sont rendues au Qatar cette semaine pour poursuivre les négociations. Nous ne pouvons pas abandonner l'espoir à ce stade parce que cela signifie que ce serait la fin pour les otages. Nous devons garder espoir. Il faut maintenir les efforts pour les ramener, que ce soit par la voie militaire ou par des négociations. Les efforts doivent se poursuivre de toutes les manières possibles car ces gens doivent revenir chez eux. La semaine dernière, nous avons pu faire sortir un otage de Gaza vivant. Malheureusement, les 6 autres ont été exécutés avant que nos forces n'aient pu y arriver. Nous devons poursuivre ces efforts diplomatiques et militaires. Et c'est ce que nous faisons. Nous ne perdons pas espoir. Alors, le 7 octobre prochain, le gouvernement du Premier ministre Benjamin Netanyahou entend organiser une journée commémorative en hommage des victimes de ce tragique 7 octobre, tant les disparus que les otages. Mais en face, les familles des victimes renoncent à cette cérémonie. Quelle explication vous donnez à cette attitude? Alors, les familles des otages, pour certaines d'entre elles, ont le sentiment d'avoir été laissées tomber par le gouvernement et ne veulent pas vraiment participer à une commémoration de l'État. Nous ne perdons pas espoir. Alors, les familles des otages, pour certaines d'entre elles, ont le sentiment d'avoir été laissées tomber par le gouvernement et ne veulent pas vraiment participer à une commémoration de l'État. Ils ne pensent pas que ce soit le bon accent à mettre sur cette question. Ils veulent avoir leur propre cérémonie. Certains d'entre elles sont des otages que nous savons encore en vie et donc pour eux, ce n'est pas une commémoration. Il s'agit d'une cérémonie où nous exprimons encore une fois notre espoir de les voir libérés bientôt, peut-être même avant la cérémonie du 7 octobre. Ceux qui ont perdu leurs proches ressentent le besoin d'avoir leur propre cérémonie. Et ce sera avant la cérémonie d'État qui aura lieu à 9h du soir. Cette cérémonie alternative. J'aimerais entendre, Excellence Svital, sur la question. Vous qui êtes à Jérusalem, comment est-ce que les familles aujourd'hui accueillent cette journée commémorative? Alors, je voudrais peut-être ajouter une facette
pour que vos téléspectateurs comprennent l'ampleur du dilemme. Et vous savez, cette semaine, une des chaînes de télévision israélienne a commencé à projeter une série de documentaires sur des cas similaires que nous avons connus, des soldats ou des civils pris en otage dans le passé, et la question. D'accord, le temps qu'ils reviennent à nous, docteur Osman. Oui. Est-ce qu'on l'a? Oui, 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 je vous entends. D'accord, allez-y sur la question. Écoutez, à mon avis, on n'a pas encore réussi de ramener tous les 101 otages à la maison. Ça, c'est première chose. J'espère, je prie que d'ici le 7 octobre 2024, ils seront tous à la maison. Ça, c'est première chose. Deuxième chose, à mon avis, les familles des otages et les familles des victimes de 7 octobre devaient avoir, eux, l'honneur de décider de quelle façon ils veulent commémorer cette journée. Cette journée. Maintenant, il est vrai qu'en Israël, il y a un dilemme et on voit qu'il y aura plusieurs cérémonies faites par, comme Ronnie a dit, par le gouvernement, par les familles des otages, par les familles des victimes. Est-ce que cela est nécessaire? C'est un point d'interrogation. Pour moi, ce qui est nécessaire, que tous les otages rentrent à la maison et qu'on soit tous unis, on reste tous unis ici. Donc, ce dilemme de commémoration, peut-être c'est un peu trop tôt parce que on n'est pas sorti de traumatisme. On est encore dans le 7 octobre. Okay. On est encore là. On vit toujours le 7 octobre. On est en guerre dans le nord et dans le sud. C'est compris, docteur. On est avec vous, nous sommes avec vous tout au long de cette émission. Excellence, les tensions entre Israël et le Hezbollah libanais sont très tendues depuis l'attaque du 7 octobre, le Hezbollah libanais et Israël. Et ces tensions ont pris du volume ces derniers temps, notamment avec la dernière attaque du Hezbollah libanais dans le nord d'Israël. Les chiffres nous disent qu'il y a eu 320 roquettes lancées dans le nord d'Israël. Est-ce que cette situation justifie l'inquiétude de la communauté internationale de voir ce conflit se régionaliser et embraser tout le Moyen-Orient? Donc, quand on parle du Hezbollah et quand on parle aussi du Hamas, il faut se rappeler que ce ne sont pas des organisations indépendantes qui ont décidé d'attaquer Israël. Il faut se rappeler que l'Iran est la tête du serpent et qu'ils sont juste mandatés par l'Iran. Ils sont financés, formés et dirigés directement par Téhéran qui dirige ses attaques contre Israël. L'Iran veut faire éclater toute la région. L'Iran veut détruire Israël et il le dit depuis 4 ans maintenant. Ils utilisent ces organisations plus les outils pour attaquer continuellement Israël. Pour parler spécifiquement du Hezbollah, près de 7000 roquettes et véhicules aériens sans pilote ainsi que plus de 100 missiles anti-char ont été tirés du Liban sur Israël depuis le 8 octobre, depuis que le Hezbollah s'est joint au Hamas pour attaquer Israël. Il y a à peine 2 semaines, 12 enfants jouant au football ont été tués par des roquettes du Hezbollah. Ces attaques n'ont été absolument pas provoquées. Et ce à quoi nous appelons la communauté internationale, c'est d'utiliser les moyens diplomatiques à leur disposition pour forcer l'Iran à se replier afin de forcer le Hezbollah à se replier. Depuis de nombreuses années, nous avons la résolution 1701 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui stipule que le Hezbollah doit être au nord du fleuve Litani.
Pourquoi ont-ils été autorisés à se retrouver au sud du fleuve Litani, d'où ils peuvent facilement attaquer Israël? La communauté internationale doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour éviter une guerre régionale, en poussant le Hezbollah, en imposant des sanctions à l'Iran pour avoir provoqué des attaques et pour avoir permis ces attaques par ces organisations mandataires. Okay. Est-ce qu'on pourrait avoir l'avis de son Excellence Zvital sur cette question? Il n'est pas là. D'accord. Alors, nous continuons avec l'ambassadeur sur ce plateau. Alors, des balais diplomatiques depuis le déclenchement de cette crise se multiplient, mais visiblement n'aboutissent pas. Et très récemment, le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, a déclaré qu'il pourrait y avoir un cessez-le-feu dans les jours à venir, après qu'Israël ait accepté des propositions de paix de la Maison-Blanche. Quelles sont ces propositions, Excellence? Je ne peux pas entrer dans les détails des propositions, mais il s'agit essentiellement d'un cessez-le-feu limité en échange de la libération de tous les otages. La question qui doit être posée, cependant, est pourquoi le Hamas n'accepte pas cette proposition? Pourquoi le Hamas n'accepte-t-il pas toutes les propositions de cessez-le-feu qui ont été mises sur la table depuis 11 mois. Nous attendons que le Hamas dépose les armes et libère les otages par le biais de diverses propositions qui ont été avancées. Est-ce que vous croyez en la réussite, aux chances de ces propositions? C'est au Hamas de décider. Quelques jours avant que nous pensions qu'une proposition serait négociée et conclue, ils ont exécuté 6 otages innocents. Il est très difficile de dire maintenant ce que le Hamas va faire. J'espère que la communauté internationale, au lieu de faire pression sur Israël, pour qu'il accepte le cessez-le-feu, fera pression sur le Hamas pour qu'il dépose les armes et libère les otages. Alors, à Tel Aviv, docteur Myriam Rossman, vous êtes analyste politique. Quel commentaire faites-vous de ces propositions de la Maison-Blanche pour emmener Israël à accepter la signature de ce cessez-le-feu dans les jours à venir? Je suis tout à fait d'accord avec Ronnie. Il faut mettre la pression sur Hamas. C'est Hamas qui, depuis 11 mois, refuse de faire un accord et de libérer les otages. Ça, c'est première chose. Mais je veux rappeler une chose, parce que vous avez parlé de Hezbollah et du Nord. Il faut se rappeler deux points là. 70 000 Israéliens qui vivent dans le Nord depuis 11 mois ne sont plus chez eux parce qu'ils ne peuvent pas vivre dans le Nord à cause des attaques de Hezbollah. Du Hezbollah, ça, c'est oui. Première chose. Oui, ça c'est le premier point. Et deuxième point, le Hezbollah dit tout le temps qu'il ne va pas arrêter les actions, l'envoi des roquettes et toutes les attaques contre Israël jusqu'à qu'il n'y aura pas un cessez-le-feu à Gaza. Donc, les deux sont liés ensemble. Et bien évidemment que le Hezbollah et le Hamas sont proxy d'Iran, et avec le Houthi, Iran est derrière tout ce qui se passe ici. Maintenant, il faut espérer que la pression des États-Unis, de Qatar, d'Égypte sur le Hamas, pas sur Israël, va aboutir à un accord. Mais est-ce que Sinwar veut vraiment faire un accord? On a vu la réponse il y a 2 jours, c'est l'assassinat des 6 otages innocents. Alors, je me demande, est-ce que vraiment il y a une volonté de faire une négociation, libérer les otages et arriver à un cessez-le-feu du côté du Hamas? Parce D'accord. que c'est eux qui bloquent tout le temps. D'accord. Alors, docteur Rossman, je reste avec vous. Vous êtes au contact avec les familles des victimes, vous organisez des conférences. Aujourd'hui, comment se fait la réinsertion sociale des victimes qui ont pu être libérées? Écoutez, il ne faut pas oublier qu'une partie d'otages qui étaient libérés, on le sait derrière encore, dans les mains des terroristes,
un mari, une femme, un cousin, un membre de leur famille. Donc, ils continuent à lutter pour sortir leurs membres de famille ou membres de kibbutz de mains de Hamas. Ça, c'est première chose. Deuxième chose, comme René expliquait tout à l'heure, ils sont pris en charge par des psychologues, par des hôpitaux pour leur aider à revenir à la vie. Mais eux, comme tout le pays d'Israël, pourront pas revenir à une vie normale le temps qu'il y a encore des otages à Gaza. On ne pourra pas avoir une vie normale en Israël sans les otages. Ce n'est pas possible. C'est quelque chose, c'est primordial. Et je vais aussi dire quelque chose qui est très triste. Récemment, on a vérifié, j'ai lu un article qui a raconté qu'il y a pas mal, il y a un pourcentage de survivantes de festival Nova qui se sont suicidées. Ils ont été sauvés. Ils n'étaient pas massacrés le 7 octobre, mais ils n'ont pas réussi à surmonter cette traumatisme, ce cauchemar, et ils sont suicidés. Et c'est très triste. D'accord. C'est vraiment triste, docteur. C'est vraiment triste. Et nous restons avec vous. D'accord. Alors, Excellence, nous revenons au plateau. Au soir du 5 novembre 2024, la Maison-Blanche aura un nouveau locataire, un nouveau nom. Les Américains auront un nouveau président, soit le républicain Donald Trump ou la démocrate Kamala Harris. Comment Israël voit-il ses relations futures avec la Maison-Blanche, surtout dans cette crise qu'il oppose au Hamas? Nous avons toujours dit, et les Américains ont toujours dit, que le soutien d'Israël en Amérique est une question bipartite. Peu importe que le prochain président soit démocrate ou républicain. Si les deux républicains ont exprimé leur soutien sans réserve à Israël, ce soutien à Israël ne diminuera jamais sous leurs administrations. Je ne crois donc pas qu'il y aurait un changement en termes de soutien américain pour Israël. Alors, nous allons poursuivre cet entretien. Nous parlons maintenant santé. Il y a un volet santé dans cette crise. Après 25 années de disparition totale, un cas de la poliomyélite a été détecté à Gaza, dans la péninsule palestinienne. Après des négociations, Israël a accepté une série de pauses humanitaires pour 3 jours pour permettre la vaccination de 640 000 enfants dans la bande de Gaza. Alors, cette pause humanitaire, quelles sont les dispositions qui sont prises pour que, justement, les deux camps respectent cette pause? I think the question should be, what is being done for two little babies? Je pense que la question devrait être de savoir ce qui est fait pour les deux petits bébés qui sont détenus par le Hamas dans des tunnels souterrains. Nous ne savons pas s'ils ont reçu de la nourriture et quelle est leur condition sanitaire. Ils n'ont certainement pas reçu les vaccins qu'ils auraient dû recevoir. Nous parlons des deux enfants, Kfi et Ariel Bibas. Kfi n'avait que 8 mois lorsqu'il a été capturé, brutalement capturé avec sa mère et emmené par le Hamas dans le tunnel. Nous avons autorisé une pause humanitaire pour faire vacciner contre la polio, comme vous le dites, 640 000 enfants. Le Hamas permet-il cette pause humanitaire? Parce que nous en avons été témoins au cours des 11 derniers mois. Chaque fois qu'Israël apporte de l'aide humanitaire, le Hamas détourne cette aide. Le Hamas ne permet pas les pauses humanitaires. Le Hamas ne permet pas que l'aide parvienne aux civils palestiniens qui se trouvent à Gaza. Le Hamas n'autorise aucune aide humanitaire. Vous savez, nous avons essayé d'envoyer la Croix-Rouge des médicaments pour les personnes âgées qui sont détenues, pour les malades qui sont détenus en otage, pour ces petits bébés qui sont détenus.
Nous ne savons pas si l'une de ces aides est arrivée à bon port, si les otages ont reçu l'aide humanitaire que la Croix-Rouge était censée leur apporter. La Croix-Rouge n'a même pas vu ces otages. Quand on parle d'aide humanitaire, je suis désolée de me montrer si passionnée. Nous avons arrêté les combats pour permettre à la population civile de les recevoir. Et pourtant, le Hamas s'en empare. Et nous ne savons rien de nos propres otages qui sont détenus là-bas. Ils n'ont pas reçu une once d'aide humanitaire depuis. Donc, nous permettons un cessez-le-feu. Alors que le Hamas ne permet aucune sorte de pause. Alors, Excellence Tal Zvi, Zvital, voilà, vous êtes là. Alors, l'actualité, oui. C'est le déplacement tout récent du Premier ministre Benjamin Netanyahou aux États-Unis. Il a même été accueilli et acclamé au Sénat américain. Il a rendu visite à Joe Biden. Il a rendu visite à Kamala Harris. Il a également vu le républicain Donald Trump. Le 5 octobre, au soir du 5 novembre 2024, les États-Unis connaîtront le nom du nouveau locataire de la Maison-Blanche. Vous êtes diplomate, vous êtes des affaires étrangères de l'État d'Israël. Comment voyez-vous les relations après l'élection du nouveau président, du nouveau locataire de la Maison-Blanche, les relations entre l'État d'Israël et son allié historique américain dans cette crise qui l'oppose au Hamas? Alors, vous faites bien de le dire, c'est une alliance stratégique. Il y a une constante qui unit en fait les deux grands partis américains, le parti républicain, le parti démocrate, dans le soutien de l'État d'Israël, basé sur des intérêts communs, mais aussi sur des valeurs communes. Et voilà pourquoi c'est une alliance, c'est un partenariat stratégique qui a pu surmonter des différends comme il en existe entre des pays amis. Et il faut le souligner, et même davantage, je dirais, si ce n'était pour la présence impressionnante militaire, diplomatique, politique américaine, à la fois dans le Proche-Orient, mais aussi dans les enceintes de l'ONU, nous n'aurions pas pu mener à bonne fin toutes nos initiatives et tenir bon vis-à-vis de ce front uni de nos ennemis mené par Téhéran, par le régime des Ayatollahs. En fait, ça a toujours été le grand dessein, si vous voulez, du régime iranien après la révolution de 79, de créer ce croissant chiite dans la région du Proche et Moyen-Orient, partant de Téhéran, passant par Bagdad, Damas, Beyrouth, et jusqu'à la bande de Gaza. Là encore, pour vos téléspectateurs qui ne sont peut-être pas experts en la matière, il y a des paradoxes dans le Proche-Orient. Vous avez d'une part ce croissant chiite et le Hamas, et qui est un mouvement sunnite. Donc lorsqu'il s'agit de faire face à l'ennemi commun qui est Israël, tout d'un coup, vous voyez que de part et d'autre, de cette ligne qui divise le monde musulman, il y a moyen de s'entendre. Donc, pour moi, comme pour tous mes collègues et les grands spécialistes des relations entre Israël et les États-Unis, nous ne nous attendons pas à des grands changements. Certes, il y aura certaines nuances, bien entendu, si l'un ou l'autre des candidats
leur emporte. Mais en fin de compte, et là je reviens un petit peu à ce que j'avais dit auparavant, lorsqu'il s'agit de faire une analyse à long terme des enjeux et des intérêts dans cette partie du monde, nous sommes en pleine concordance avec Washington. C'était Donald Trump qui avait commencé cette grande vague de normalisation avec les pays du Golfe, la reprise de nos relations avec le Maroc, même une certaine parenthèse avec le Soudan, et j'espère que ça pourra revenir sur le tapis. C'est ça. On peut s'attendre, c'est ce que j'avais dit, il faut absolument qu'on puisse trouver une solution politique à ces crises à Gaza pour qu'on puisse aller de l'avant dans la normalisation, une nouvelle vague de normalisation de nos relations avec les pays arabes. En fait, aujourd'hui, ce n'est plus tellement, si vous voulez, le chiisme et le sunnisme, c'est plutôt les pays réactionnaires qui vivent dans le passé, qui prônent l'exportation de l'islamisme radical, et d'autre part, les pays dits modérés, pragmatiques, qui veulent créer un nouveau Moyen-Orient qui soit plus propice, plus en syntonie avec le bien-être des habitants de cette région du monde. Alors, Excellence, vous parlez de solutions politiques. Quelle pourrait être cette solution? Ben, tout d'abord, il faut absolument éliminer la présence du Hamas. Nous avons parlé d'une élimination militaire, mais aussi d'une élimination administrative et politique. Donc, il faut une autre entité palestinienne qui soit représentative, parce que c'est important qu'elle puisse jouir du soutien de la population. Qui prennent en charge l'organisation de la vie quotidienne des habitants de la bande de Gaza. Parce que l'effort que nous avons fait, c'est en fait de libérer la population gazaouite du joug du Hamas et du djihad islamique palestinien. C'est eux les premiers qui ont souffert de ce régime intransigeant et terroriste. Donc ça, c'est un premier pas. Ensuite, en parallèle, il faut envisager une nouvelle structure militaire ou de défense par rapport à la grande menace qui constitue le régime des ayatollahs à Téhéran. Il ne faut pas oublier que les Iraniens continuent dans leur poursuite de l'arme atomique et de la déstabilisation, non seulement d'ailleurs de la région du Proche-Orient. Regardez ce qui se passe dans votre continent, le continent africain. Soit à travers les communautés de ressortissants libanais, d'arabes chiites, et même des communautés sunnites, parce que ce que les Iraniens essaient de faire, c'est de changer les rapports de force entre guillemets entre les communautés chiites et sunnites. Nous voyons ça en Syrie. Donc la menace est présente, est omniprésente. Elle est présente en Afrique comme elle est présente aussi en Amérique latine. Et cet axe du mal, si vous me permettez l'expression, qu'il faut combattre avec différents moyens. Il faut absolument que nous, Israël, continuions avec ce que nous avons fait dans les années 60
et 70 du siècle passé, c'est-à-dire l'aide au développement. Vous savez, ce qui m'a frappé lorsque j'ai voyagé de part et d'autre en Afrique, c'est cette nostalgie, cette amitié sincère qui nous lie, nous, citoyens israéliens et vous, citoyens de l'Afrique, puisque depuis les années 60 du siècle dernier, nous étions présents à travers des techniciens de notre centre de développement en Machav. Et la réflexion que j'ai souvent entendue, c'est voilà. Nos techniciens étaient sur le terrain. Nous constatons que vous avez de très bonnes relations avec les pays africains. Justement, ma question qui suit est de savoir, depuis le déclenchement de cette crise, comment ces relations se sont-elles bonifiées ou pas? Alors, je suis enclin à vous dire que, compte tenu des circonstances, les relations se maintiennent. Alors, il est vrai, puisque j'ai eu l'occasion d'accompagner le directeur général de notre ministère, à la fois à Addis Abeba, dans la marge du dernier sommet de l'Union africaine au mois de février, et ensuite, fin juin, au Nigeria, au Togo et au Bénin, j'ai eu l'occasion de constater que cette amitié est toujours bien présente. Certes, à cause du climat actuel, nos interlocuteurs préfèrent que, pour le moment, nous maintenions un profil bas de nos relations. Mais nous avons quand même eu l'occasion d'échanger à la fois sur les divers domaines de coopération, voire même l'idée de tenir des dialogues politiques et stratégiques. Okay. Lorsque une fois que les armes vont se taire. Se taire. Et que, absolument. Et nous aurons une atmosphère. Et nous espérons que ces armes se tairont très vite pour très que bien oui. entendu. Les relations puissent encore aller de l'avant. Nous allons allègrement vers la fin de ce temps de télévision, de ces échanges. Nous allons rapidement parler, pour terminer, de cette journée commémorative qui aura lieu le 7 octobre prochain. Alors, Excellence, quelles sont les grandes lignes de cette journée? So, embassies around the world will be, ainsi, les ambassades du monde entier vont mener diverses activités le 7 octobre afin de commémorer ce qui s'est passé l'année dernière, commémorer à la fois les 1200 personnes qui ont été cruellement massacrées ce jour-là et les otages qui sont toujours détenus, ainsi que plus de 700 soldats qui sont tombés depuis. Ici à Abidjan, nous allons coopérer avec des églises chrétiennes évangéliques pour une cérémonie commémorative très respectueuse. Les ambassades du monde entier vont organiser d'autres types d'événements, que ce soit avec des églises, avec des communautés locales, à travers des cérémonies, des projections de films. Nous sommes impatients de voir un effort vraiment massif dans le monde entier pour commémorer ce qui s'est passé le 7 octobre. Ok, merci. Excellence, nous allons aller à Jérusalem pour entendre Son Excellence Zvital sur la même question. Et puis, nous sommes pratiquement au terme de cette émission. Nous aurons donc le mot des fins tout à l'heure. Excellence Zvital, vous êtes à Jérusalem. Dans pratiquement un mois, le gouvernement du Premier ministre Benjamin Netanyahou va organiser cette journée commémorative. Comment est-ce qu'on la prépare à Jérusalem? Alors, vous savez, là encore, nous avons malheureusement l'habitude de commémorer différentes tragédies qui nous ont frappés. Donc, il y a tout un dispositif qui est mis en place
C'est toujours la responsabilité d'un ou d'une ministre, en l'occurrence la ministre Miri Regev, titulaire du portefeuille des transports, qui est responsable de ce genre de cérémonie. Et il y a un groupe qui s'est formé de personnes qui représentent, si vous voulez, les grands axes de la société israélienne, qui sont en rapport avec les familles des victimes, les familles des otages, etc. Et on essaye de mettre au point un programme qui soit digne, qui soit sobre et qui permette à toute la population, puisque nous sommes tous concernés d'une manière ou d'une autre. Quelles sont les dispositions sécuritaires surtout ? Les dispositions sécuritaires surtout ? Alors, point de vue sécuritaire, vous savez, je ne crois pas qu'il y a moyen même de remonter d'un cran la situation sécuritaire dans laquelle nous nous trouvons, parce que nous sommes vraiment au maximum, je dirais, des ressources qui ont été mises en place, parce que nous voyons la recrudescence des actes terroristes en Cisjordanie, par exemple. On vise Jérusalem, on vise les grandes villes, enfin tout le monde est une cible potentielle du terrorisme palestinien à l'heure actuelle. Donc de toute manière, toutes les grandes branches sécuritaires, police, armée, services de sécurité interne, etc., sont au maximum de leurs effectifs, et donc espérons que cette journée du 7 que tout sera se passe bien, surtout se passera, voilà, sans événement malheureux. D'accord. Alors nous sommes pratiquement au thème de cette émission. Excellence, est-ce qu'on pourrait avoir votre mot de fin? Excellence Zvital. Oui. Alors écoutez, ce que je voudrais dire, c'est que pour nous, la religion devrait être un pont qui puisse rapprocher les hommes et les femmes de toute confession, de toute ethnie, et non pas un instrument de radicalisation, de haine, de menace terroriste, comme malheureusement ça l'est. À la fois dans notre région, ici au Proche-Orient, et dans certaines régions du continent africain. Voilà pourquoi nous devons œuvrer main dans la main. Et je le répète, je ressens qu'il y a cette volonté de promouvoir un dialogue, de promouvoir un entendement, un respect mutuel entre les grandes religions. Et nous allons œuvrer dans ce sens avec vous. Il faut absolument respecter les droits de l'homme, les droits de la femme, les droits de l'enfant. Nous avons maintenant vu à quoi cette haine peut mener. Le 7 octobre, c'était vraiment scène tout à fait horrible, un massacre et des souffrances qu'on a endurées qui sont tout à fait qui dépassent l'entendement humain. D'accord. Et malheureusement, vous, dans le continent africain, vous savez de quoi nous parlons. Absolument. Merci infiniment, Excellence Zvital. Je rappelle que vous êtes ambassadeur responsable de l'Afrique de l'Ouest au ministère israélien des Affaires étrangères. Merci infiniment de votre disponibilité pour Lumière du Monde Télévision. Nous allons à Tel Aviv pour terminer avec notre duplex. Et c'est avec Dr. Rossmann. Dr. Rossmann, à Tel Aviv, comment se prépare le 7 octobre prochain, et votre mot de fin à l'endroit des Israéliens qui nous suivent et surtout de nos téléspectateurs? Écoutez, je pense que, à mon avis, ici, on n'est pas du tout dans les cérémonies.
Ici, les gens sont dans la vie de tous les jours. Cela veut dire qu'on veut que les otages, le 101 otages, reviennent à la maison en vie le plus tôt possible. Les gens du Nord qui sont pas chez eux depuis 11 mois souhaitent que la situation dans le Nord se résoudre en face de Hezbollah et qu'ils puissent revenir chez eux. Pareil pour le Sud. Donc, ici, les gens ne sont pas encore dans le 7 octobre, dans un mois, dans la commémoration. On est ici dans la vie quotidienne et malheureusement, chaque jour, comme dimanche, on a reçu 6 corps. Un autre jour, la semaine dernière, heureusement, on a sorti un otage en vie. Donc ici, c'est la vie quotidienne de tous les jours et le 7 octobre, on n'est pas encore là. Par contre, en ce qui concerne le monde, pour moi, c'est très important, primordial, que tout le monde se rappelle de ce qui s'est passé ici le 7 octobre, parce que les gens ont tendance d'oublier très facilement et très vite. Ils oublient le massacre du 7 octobre, les personnes qui étaient assassinées, les otages, et ainsi de suite. Ça, c'est par rapport à répondre à votre question. Et mon mot de la fin sera que j'espère et je prie que nos 101 otages rentrent à la maison, ceux qui sont en vie, en vie. Ceux qui sont plus en vie, qu'ils puissent être retournés dans leur famille et être enterrés en dignité. Et que notre pays arrive à avoir un cessez-le-feu, être arrêté d'être menacé dans le sud, dans le nord. Parce que depuis 11 mois, bientôt une année, on est en guerre dans tous les fronts. Et c'est très difficile de vivre comme ça. C'est très difficile d'élever des enfants comme ça. Et à mon avis, pour que notre société arrive à guérir et à sortir de ces traumatismes, il est primordial que les otages rentrent. Il est primordial que le monde, l'Afrique en particulier et le monde entier, continue à nous aider, être de notre côté afin d'arriver à une négociation qui va amener les otages à la maison, qui va arriver à un cessez-le-feu, qui va changer les personnes qui vont rouler, être en pouvoir à Gaza pour qu'on puisse cohabiter en paix. Et ainsi, pareil dans le Nord avec le gouvernement libanais, pour que nos citoyens qui vivent pas chez eux, ni dans le Nord, ni dans le Sud, puissent retourner chez eux. Et là, on pourra commencer à faire ces chemins des guérissons et de sortir de traumatismes où on vit toujours, en fait, ici. Merci, docteur Myriam Rossmann. Je rappelle que vous êtes experte en relations internationales, historienne, auteure, commentatrice d'actualité, analyste politique et conférencière. Merci, merci infiniment à tous les deux de votre disponibilité pour cette interview. Excellence, retour en plateau avec vous pour la fin de cette émission. Votre mot de fin à l'adresse de la communauté internationale. Alors, tout d'abord, je voudrais répéter ce que mon collègue a dit, à savoir que nous espérons qu'il y aura une solution politique à Gaza qui éliminera le Hamas, qui apportera un nouveau et meilleur leadership pour les gens de Gaza, pour les Palestiniens qui vivent là, un leadership qui ne les opprimera pas et qui sera capable de parler à Israël et d'avoir des relations avec Israël. Je demande à nos téléspectateurs ici présents, ceux qui soutiennent Israël, de faire entendre leur voix. Malheureusement, nous n'avons pas pu entendre les organisations internationales qui sont censées prendre soin des victimes de la violence parler au nom d'Israël. En tout cas, en ce qui concerne les femmes qui ont été violées. Et nous n'en avons même pas parlé pendant ce programme à propos des femmes qui ont été agressées sexuellement le 7 octobre et celles qui ont été agressées sexuellement depuis. Où sont les organisations internationales de femmes? Où est passé le Fonds des Nations Unies s'agissant des 6 otages qui ont été exécutés la semaine dernière en violation flagrante du droit international? Où est la CPI? Où est l'ONU? Où est la Croix-Rouge? Où sont ces organisations internationales quand on parle des atrocités horribles qui ont été commises au cours de l'année écoulée à partir du 7 octobre, mais qui se sont poursuivies depuis? Où étaient ces organisations? Et ce que je demande à nos téléspectateurs, vos téléspectateurs,
qui, je sais, sont très pro-israéliens, aiment Israël, gardent Israël dans leur cœur et prient pour Israël et qu'ils fassent entendre leur voix en faveur d'Israël afin d'apporter un meilleur jour tant pour le peuple d'Israël, mais aussi pour le peuple de Gaza et l'autorité palestinienne. Nous espérons vivre en paix avec eux. Nous avons entendu divers aspects des façons dont Israël a travaillé avec les communautés internationales, avec les États-Unis, dans l'espoir de normaliser ses relations avec d'autres pays arabes. Ce sont là des choses qui, nous l'espérons, apporteront la paix aux habitants de la région. Thank you very much. Merci, Excellence, pour tout ce temps accordé à Lumière du Monde Télévision. Israël, aujourd'hui, ça n'est fini. Lumière du Monde Télévision avoir fourni l'essentiel de l'actualité en Israël, pratiquement à un mois de la commémoration de l'an 1 de cette journée meurtrière qu'a connue le peuple d'Israël. Nous recevions sur ce plateau son Excellence Roni Yedidia Klein, ambassadrice de l'État d'Israël en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Burkina Faso et au Togo. Merci, Excellence. En duplex, nous avons eu des jurys et de Tel Aviv en Israël, son Excellence Zvital, ambassadeur responsable de l'Afrique de l'Ouest au ministère israélien des Affaires étrangères. Et nous avons eu Dr Myriam Rossmann, historienne, experte en relations internationales et analyse politique depuis Tel Aviv. Merci infiniment à tous les deux de votre disponibilité. Merci. Pour informer l'opinion internationale et nos téléspectateurs de la situation actuelle en Israël. Excellence, thank you very much. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Dieu vous bénisse et à très bientôt.